je corrige des travaux, je suis en train de le faire présentement, et je prends plaisir à le faire parce que je trouve toutes sortes de choses intéressantes, intelligentes, et tout à coup, des fois, j'ai la surprise, en corrigeant le travail d'un étudiant, je constate que dans la conclusion, je trouve une phrase qui est copiée intégralement d'un site Internet. Et dans cette conclusion-là, il n'y a aucune mention de la source. Vrai ou faux, dans cette situation. Puisque le plagiat est mineur, j'attribuerai la note 0 seulement pour la partie du travail qui contient le passage plagié, soit la conclusion. Vrai ou faux? Je serais vrai. Moi aussi. Vrai. Vrai. Pourquoi? Parce que je ne mettrais pas 0 à tout le travail s'il y a juste une phrase de la conclusion. Puis c'est pas l'ensemble du travail. La conclusion, c'est comme un résumé, finalement. Fait que je pense pas que ça vraiment affecte tout le reste du travail. Moi, je dirais faux. Je pense que la personne, elle peut avoir 0 pour le cours. J'enlève les points, c'est la conclusion. Le reste du travail, lui, est quand même possible. Peut-être. Bonne question. Ben moi, je pense que les profs sont assez clairs. À chaque fois qu'on rend un travail, ouais, c'est faux. C'est plagiat pour genre, tout complet. Pour toute la c'est zéro pour tout le travail. C'est... Mm-hmm. Parce que si la, ben, je sais pas, mais si la conclusion est décopiée, je sais pas s'il y a d'autres parties qui s'est juste inspirées. La réponse à la question, c'est faux. Tout plagiat entraîne la note 0, qu'il soit partiel ou complet. La PEA l'indique clairement. Dès qu'on emprunte quelque chose quelque part et qu'on n'en mentionne pas la source, c'est 0, c'est tout le travail qui est pénalisé. Et si en plus il y a eu d'autres récidives, c'est pas la première fois, ça peut aller plus loin. Il faut savoir que mettre des guillemets à un texte, mentionner la source, c'est facile, c'est important, mais c'est aussi une source de fierté pour le professeur. Il se rend compte que l'étudiant a pris la peine de faire une recherche, il est allé chercher l'information, il a pris le travail au sérieux. Et il n'y a pas de honte à mettre des guillemets, à dire « j'ai emprunté des choses ». Au contraire, c'est même le signe qu'on va plus loin. Pensez-y, mentionnez-le, mettez des guillemets. Vous avez oublié la source? Dites-le au professeur. Je ne sais plus c'est où, je sais que je l'ai pris sur un site Internet, j'ai oublié de noter la... Au moins, le professeur saura que c'est pas du vol. Vous avez fait une recherche, vous avez oublié l'information, mais ce n'est pas de vous. Dites-le.